Mon ami, vous avez vu 45% du budget d'investissement de la ville sur le sport. Donc ça représente des millions d'euros pour des investissements, des nouveaux stades, des nouveaux équipements, des nouvelles salles, etc. Donc, on met le paquet. Je peux rien sans vous. Je peux rien sans les clubs. Donc moi, non, mais c'est réciproque. Et donc moi, je remercie infiniment les gens qui se dévouent parce qu'il y a beaucoup de dévouement de la part de vous tous. J'ai 46 clubs, j'ai 10 000 licenciés sportifs, j'ai 35 équipés. Mes services comme les élus, on y passe du temps. Bon, moi, quand il y a des soucis, je suis là pour essayer d'aider à les régler. Et je vous fais confiance aussi les uns les autres. Et je suis là aussi aujourd'hui pour vous remercier. Parce que je sais le temps que vous passez. La réussite de ce projet, c'est à vous que je la dois. Et je remercie très sincèrement la municipalité de Marcq-en-Barœul pour l'accueil qu'elle m'a réservé, son implication, la communication et sa généreuse participation. Les nombreux donateurs, parfois anonymes, pour leur grande générosité et tous ceux qui m'ont transmis des messages d'encouragement. Un très grand merci à vous tous qui avez largement contribué à la réussite de ce projet. Grâce à vous, mes objectifs sont largement dépassés et cela contribuera, j'en suis sûre, à redonner l'espoir et du souffle à tous les malades qui sont atteints de ces cruelles maladies. Encore merci à vous tous. Moi, je voulais juste, madame, vous remercier infiniment. Vous êtes, comme le souffle, mon adjoint au sport, Didier Hélard, la dame de cœur du Randonneur Club Marcqois. Vous avez eu une initiative magnifique. Nous, on veut promouvoir à Marcq-en-Barœul le sport pour tous, le sport loisir, le sport santé. Et je pense que le témoignage que vous portez aujourd'hui est un témoignage d'espoir. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et vraiment, l'esprit d'équipe qui anime tant de clubs, tant de dévouement, que ce soit au service des autres, comme vous, vous en avez magnifiquement porté le témoignage, méritez aujourd'hui qu'on vous remercie du fond du cœur. Moi, je vous dis un infini merci, un infini bravo pour tous ceux à qui vous allez rendre service par votre générosité merveilleuse. Voilà. À l'association donc Vaincre la mucoviscidose. Et je remets donc un chèque de 3 000 euros en faveur de la Ligue contre le cancer. Merci.